Ce mardi 14 février, Christine et moi-même ont répondu présent à l'appel de Vanessa Persibali qui nous a conviés à une réunion organisée par le club d'affaires Dinabaï. Mais dis-nous Vanessa, c'est quoi l'objectif du club d'affaires Dinabaï ? Dinabaï, c'est un réseau national qui rassemble des entrepreneurs. Le club dirigeant de Saint-Avold a été créé il y a bientôt un an. On va fêter notre premier anniversaire. Au départ, nous étions 5 entrepreneurs et maintenant on est 13. Le club rassemble un métier par personne. Il n'y a pas de concurrence et que de la bienveillance. Notre objectif, c'est de nous recommander entre nous, de faire donc de la prospection et de développer notre business. Merci Vanessa. Et comment fait-on pour vous contacter ? Pour entrer en contact avec nous, vous pouvez nous joindre sur notre page LinkedIn, sur notre page Facebook ou directement par mail ou par téléphone auprès de la présidente Emmanuelle Fouquet. Et toi Vanessa, quel est ton rôle dans tout ça ? Je suis Vanessa Persibali, j'étais journaliste en presse écrite pendant 15 ans en Moselle. Il y a 3 ans, j'ai créé Words Factory, une agence de rédaction web et de communication digitale. J'accompagne les entreprises partout en France et au Luxembourg dans leur développement sur les réseaux sociaux. Si vous aussi vous souhaitez participer, les liens défileront en fin de vidéo et nous ne pouvons pas la terminer sans parler de ce charmant restaurant. Le restaurant Pomodoro est un restaurant de spécialité italienne, donc on ne produit que des produits qui viennent d'Italie, de la pâte à pizza jusqu'à la charcuterie, jusqu'à vraiment tous nos produits viennent vraiment d'Italie. On respecte en fait une charte interne sur tous nos restaurants. Et nous sommes présents ici depuis 2 ans et on est ravis de recevoir Livacor pour leur club affaires. Ils viennent à peu près 4 fois par mois et on est toujours ravis de les recevoir. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à noter les liens qui s'affichent à l'écran et on vous dit à très bientôt.